Tu vas pas aimer ça. Ce message est un message pour les États-Unis d'Amérique. Bonsoir. Extrait du texte de Thibaut Franc. Tu vas être un peu étonné parce que j'ai quitté la vie bordelaise depuis déjà quelques mois, je crois. Brico Relais. Par Jean-Martial Estève, votre serviteur. Le ressemelage, l'affûtage, la plastification. Il monte du doigt. Je me suis tout de suite dit qu'il fallait que je fasse du sport. Cerceau. Arène. Graisse. Un peu de sport contribue à garder une silhouette élancée, une peau ferme et le moral. Que Lazare ne dressait pas la liste du matériel nécessaire à la réfection de l'atelier, plusieurs fois par jour, l'aller-retour. À chaque fois, la même bande enregistrée annonçait depuis des haut-parleurs dissimulés dans le plafond les différents services proposés par le magasin. Fou, idée, chef. J'ai peur qu'il ait sa lourde de la tourette parfois, mais... Mais il est impressionnant. Pour sa part, il n'avait jamais fait ressemeler, affûter ou plastifier quoi que ce soit ici. C'était des actions caressées aussi agréablement possible qu'une spécialité soulignée. Un plat compliqué à commander par avance, agneau entier longuement mijoté pour plusieurs personnes. Mais la litanie était maintenant fixée dans son esprit. Une seule fois, à Marrakech, le gardien et repousseur de porte de la galerie Babdou Kala, un ancien champion cycliste plein de douceur, afin de doubler la semelle de ses babouches de laine berbère, avec ses clous triangulaires et courts que l'on croirait martelés. Toujours un peu à jouer avec des silex en touillant des potions dans des seaux. Il parle des cocktails, on dit que l'eau, c'est la soif de l'eau, c'est la soif primitive. La soif du vin, c'est déjà un peu plus développé. Et que la soif du cocktail, c'est la soif vraiment civilisée. Ça m'arrive de pouvoir parler. Et puis on sait très bien que dans les soirées, qu'est-ce qui se passe? J'enlève mes yeux. Les différents services proposés par le magasin. La plastification avait dû représenter à ses yeux d'enfant une merveille technologique. L'âge de maturité de la matière plastique. Une machine de plus à côté des photomatons, des chevaux à secousses et des éditeurs de cartes de visite, bientôt dérisoires avec leur naïve iconographie de faire-part de baptême. Le durcissement du papier lui aurait conféré la même autorité qu'un tampon. Autre objet irréalisable, éternelle pomme de terre, gomme gravée au cutter, et cette immortalité des embaumés qui résistent aux tempêtes de sable, aux larves de mouches et aux traces de doigts acides. J'ai quitté la vie tout court, bien que je vous ai fait signe régulièrement sur Internet. La plastification officialisait l'existence. Mmh.
À travers le ronron formidable d'une machine au fonctionnement aussi opaque que celui du téléviseur. J'ai tourné avec Malcolm Lowry au cœur d'un volcan. Le volcan tout fout le camp. Sur un quiproquo, peut-être que ça pourrait passer. C'est jamais le cas en fait. J'ai pu explorer les sentiers tortueux du net. Moi, je me suis dit, en tant que garde du corps, tu te laisses les pousser les cheveux, tu auras la force de Samson. Pour en faire partie, il faudrait être plus malin. Hackers et bidouiller sur Facebook. Du groupe pour quitter le groupe qui fait un autre groupe pour quitter le... Voilà. Alors j'ai été aidé, hein, j'ai des amis de Singapour qui étaient là-dedans depuis des années. Projetant les aliments dans un avenir meilleur et légèrement teinté de jaune, sous la responsabilité des parents et d'un voyant orange qui claquait quand l'appareil s'était rasséréné. Tu dis des choses. En même temps que tu es très présent, en fin de compte, c'est le moyen de te cacher derrière pour pouvoir t'en éloigner. Il fait son propre tour. Il a ses endroits où il boit de l'eau, il a ses endroits où il vient lécher la graisse de cochon qui a été jetée par les gens, etc. Enfin, il fait le tour des prés. Il commence à devenir sourd. Donc, tu l'appelles, s'en fout. Donc, il y a un petit peu quand même de jeu, mais oui. Bon, globalement, il est quand même un peu dur de la feuille maintenant. Bon, il a plein de poils blancs là, sur le museau. Il a du mal à se lever un peu, mais une fois qu'il est debout, ça va, il marche tranquille. Enfin... C'est sûr que tu filmes au bon moment. L'affûtage, à l'inverse, relevait davantage du passé avec son imaginaire pierre à rémouler. L'armurier avait affûté au passage le couteau de botte que Lazare avait ramené un jour parce qu'il jouait dans l'étui. Ainsi, l'arme et l'outil retrouvaient leur pouvoir aux dépens d'un amenuisement semblable à l'épuisement des étoiles, une disparition programmée. C'est pas facile ça, hein. On la refait. Le monde adulte des lames, des coureurs de bois et des copeaux sur la route était aussi celui, mortifère, de la rouille. Le monde adulte des lames, des coureurs de bois et des copeaux sur la route, le monde adulte des lames. De la rouille mal huilée à l'olive première pression à froid et du fer émoussé. Pointe cassée sur un caillou. Papier de verre à gros grains maladroits. Condamné à disparaître. Décidément, tous les animaux montent dessus, toi. C'était un paysage maritime, peut-être le port d'Alexandrie avec le phare. Sans cette armure vantée, sans les semelles de vent, les ailes bien chevillées, le monde pointu toujours et la préservation des identités. Je veux des herbes comme ça dans mon jardin. Avec du gazon ou avec de la paille ? Rien. Non, on n'a rien, mon coco. Comme c'est pas sa finition. J'ai fini par les rejoindre et...
je me suis acclimaté, j'ai... Beaucoup raison. Olivier Besancenot a beaucoup raison. Et ce leader charismatique m'a fait signe et m'a tendu une main secourable. C'était insupportable, le mec, c'était Dark Vador, mais en moins rigolo, quoi. Non, c'est pas marrant, une photo. Ouais, donc tu veux que je dise que c'est du poivron piquant qui arrache la gueule et du gin, c'est ça? C'est ça. Oui, j'ai toujours eu ma maman. Oh, voilà. Ça va? Qu'est-ce que tu fais? Incroyable, Anne-Sophie, j'ai gagné. Ça faisait mal au cœur de partir en Inde sans l'avoir vu. Oui. Comme il est vieux, oui, il a... Ce qu'on peut également comprendre et voir dans cette grande aventure, c'est que rien n'est fait, rien n'est fini. C'est complètement brinque-ballant, complètement dégueulasse et... Alors donc là, voilà la chose. Maintenant, je comprends mieux, Thibaut, certaines choses sur toi. C'est marrant, on a dit pareil. Oui. Anne-Sophie, ne rapproche pas cet objet satanique de mon visage, s'il te plaît. Arrête maintenant. Ah ben là, il peut pas. C'est quoi, les dehors? This is the end. Quand on veut chanter l'espoir. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver.